Et what's up les gens, on se retrouve sur One Piece Pirate Warrior 4 pour la suite du mode Treasure. Donc le mode Trésor. Hein. On va jouer Rob Lucci. Après on aura Aokiji. Oh il est de type aérien Rob Lucci. Merde. Ah je l'aurais plus vu type technique. Après on aura du coup Aokiji. On le next parce qu'on l'a déjà joué. On jouera Ivankov. On la next parce qu'on l'a déjà joué. On jouera Reiju. Ichiji, Niji et Yonji. Alors je vais pas vous mentir, les 4 ont le même type de gameplay. Ils sont tous aériens et c'est tous la même chose à peu près. Bon, on va quand même les jouer. Et puis après on enchaînera avec ça. Faudrait que je finisse de monter eux. Je pourrais après, en vrai je pourrais commencer avec E3 là. Et eux je vais les jouer après. Je vais essayer seulement de monter l'attaque. Le reste je m'en fous un peu. Et puis voilà. Let's go pour Rob Lucci. Et après on aura fini en vrai. Il nous reste très peu d'épisodes. Rob Lucci. Donc, Hattori apporte un objet de soin. Non, merci. Piouragan saute dans les airs et envoie une onde de choc vers l'avant qui change selon la forme au moment du lancement. Anaxgen envoie un Anaxgen vers l'avant. Achève l'ennemi avec une attaque à base d'Anaxgen. Ah ouais, pas ouf. Hein. Bah, lui aussi, du coup, à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que 7 spells. On va retirer le truc qui nous heal. On va prendre le pied ouragan. Et let's go. Alors. Oh, c'est pas ce que je me suis dit. Donc on peut faire le gameplay. Tu te transformes et tu fais full gameplay avec lui. Ça fait qu'en tout là t'as pas mal de gameplay. Bon alors. Le Y c'est pour se transformer. Là on va faire l'auto-attaque. Voilà. Là t'as eu 1 plus X. 1 plus X. On se transforme. Et après on les transforme. On les transforme. 1, 2. Ah tout est basé sur la transformation, ok. Ok. Ça c'est le 1-2 hein. 1, 2. Donc voilà. En vrai je pourrais essayer de transformer parce que ça... 1, 2, 3, là il fait les trucs vers l'avant. Donc un mini pied ouragan un peu chelou, circulaire. 1, 2, 3, 4, et il se transforme et il rafale. Cool. Ah ça a étourdi. Pas mal. Pas ouf. Pas ouf. Il y a pas moyen qu'il sorte là. On va se mettre dans Kizuna. Donc les spells changent. Ah ouais là du coup je vois vraiment y'a rien. Ah ok donc au sol c'est le loup et dans les airs c'est ça. Ça c'est seulement la transformation. Et je peux aussi faire un nouveau. Merde. Et là vu que je suis beaucoup plus transformé, Piroagan il est beaucoup plus gros. Voilà. Et selon la transformation je fais beaucoup plus de dégâts je crois. Okay, donc j'ai la même attaque et transformé ou pas. En vrai le mode R1 est beaucoup plus agréable à jouer. C'est tout ça là, boum, 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 boum. Ah
Ah merde, il est pas venu l'autre. Oh nice. Oh let's go le goat. Là j'en ai tapé deux là en gros, à la base je l'ai pas fait sans. Non moi je le ramène. Let's go. Je tue le dessus moi. C'est la même attaque à transformer ou pas transformer, c'est tout. Je peux me faire ça dans les airs si je peux regarder. Boum. C'est chiant de devoir redescendre, c'est le seul truc, le seul inconvénient je veux dire quand t'es en mode aérien. J'ai fait ça pour pouvoir descendre, ce qui m'empêchait de descendre. C'est bien, l'ouragan est fluide en fait, il se fait en plein combo. Imaginez, il peut faire ça, lui, c'est n'importe quoi. Mouda. Non! Ça m'a fait sauter! Je sais pas, j'aurais fait 0 dégâts du coup. Oh la haine, ça m'a fait sauter le truc. Regardez comment il se déplace. En vrai c'est pas fait pour ça, hein. Si vous voulez vous déplacer, vous dashez, c'est plus puissant. Ou en mode transformé, vous gaspillez beaucoup moins.
Formation. With a head. Ah, je l'ai chopé. Je sais même pas qui est-ce que j'affronte. Hein. Je le rafale dans les airs. C'est Vista. Là je dash même pas là hein, pour vous dire. Mais en fait quand t'es aérien t'as même pas besoin de dash parce que vu que t'es gameplay, enfin ton combo c'est fini dans les airs, tu peux enchaîner. Merde, il est derrière moi. Je fais que le rater ce spell, hein, je vous le dis tout à l'heure. Je vais le finir avec un Roku Hogan. Let's go! Moi, finalement, j'ai apprécié. Enfin, le gameplay dans les airs, j'ai plus apprécié qu'au début. Ça manque réellement de spells, malheureusement. Ils font en sorte que bah, tous les autres persos n'ont pas beaucoup de spells et que ça prévalise. Enfin, ils ont tout misé sur Luffy, Zoro, Katakuri, Big Mom, Kaido et Barbe Blanche et Ace, quelques personnages comme ça. Et le reste, ils ont boycott, ils ont juste mis parce que bah, ils étaient là avant, mais c'est tout quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'ils ont. Pourtant, je pense pas que ça soit si. Bah, voilà quoi, développer un jeu, voilà quoi, ça reste quand même assez compliqué, mais. Je pense pas que ça soit. Enfin, vu tous les rosters de perso, je pense pas que. Enfin, je pense qu'ils auraient pu en faire beaucoup plus, genre. On a eu un S triple S, donc ça va, c'est clean. J'espère que vous avez kiffé le gameplay Rob Lucci. Perso, moi, c'est 50-50, j'ai bien aimé, mais j'ai un peu détesté, bah ouf, voilà quoi. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un big like, ça fait grave plaisir. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera sur Aokiji, du coup. Et voilà. On se dit à la prochaine, ciao ciao.